Saca sus zapas. Mañata. Mañata est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise d'abord, africaine et internationale. Elle vous sera présentée par Marcel Bangali. À la réalisation, Patrick Kamanda. Ça casse ou ça passe. TSTV. Avril 2016, 14 avril 2017, une année déjà que votre chaîne existe. Jacques Kataï dans l'émission Cantique des Cantiques. Ibwandi dans l'émission 5e génération. Patrick Kamanda à la réalisation. Et il y est, ça passe ou ça casse. Maniata, système ya Dodaye. Contactez l'équipe Tout Savoir pour vos contributions et contacts. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guigo Lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là tu nous. Vraiment, ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Chers amis, bienvenue dans cette émission spéciale Maniata, la toute première diffusion, la toute première édition. Je suis très heureux, moi Marcel Bangali, de vous la présenter. Maniata est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise.
africaine et internationale. En tout cas, je vous dis d'abord bonsoir ou bonjour, n'importe quel endroit vous allez nous suivre. C'est votre chaîne de télévision Tout Savoir et c'est l'émission Magnata. Alors, pour commencer cette émission, chers amis, nous allons parler de 5 albums aujourd'hui. Alors, je vais vous dire que déjà, vous êtes joyeux parce que vous allez vraiment danser dans vos maisons. Alors, nous allons commencer par la chronique de l'album Solo La Bien de Werrason. En tout cas, il est né à Kikwit le 25 décembre 1965. Son vrai nom, c'est Noël Ngiama Makanda. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Werrason, c'est son nom de scène. Mais son vrai nom, c'est Noël Ngiama Makanda. Il est né le 25 décembre 1965. Alors, en 1999, ils ont fait sortir un album. Un album qui a connu du succès. Et c'était l'album qui a propulsé Werrason et son groupe Wenge Musique à Maison Mère dans les tops de musique africaine et mondiale. Alors, je vais vous laisser suivre Solo La Bien. C'était l'album et en même temps, c'était un titre de la chanson, l'un des titres de la chanson de cet album, Paris en 1999, avec des chansons comme Croissoi et Papson. Bon, je vous laisse suivre Solo La Bien. On se retrouve juste après cet élément pour qu'on parle de Koffi Olomide, Kwadwo Kuramane. Merci, chers amis, d'être toujours là pour nous suivre. On se retrouve après l'album Solo La Bien de Werrason et Wenge Musica Maison Mère. Yabela, moto. Ukita samado, ongo basandi, kasa bilo samundel. Ukita samado, ongo basandi. Magnata. Cette émission, chers amis, c'est l'émission Magnata. Système Yado Daye. C'est la nouvelle émission de votre chaîne de télévision Tout Savoir TV. Alors, après Werrason, je crois que vous avez aimé ce que nous avons diffusé, Solo La Bien. C'était la chanson qui avait connu du succès en 1999 pour le français. Et en 2015, il y a l'album 13e apôtre de Koffi Olomide, son vrai nom c'est Antoine Christophe Agbepa Mumba. Il est né le 13 août 1956 à Kisangani. Koffi Olomide, c'est le plus populaire des Africains. Koffi Olomide, je crois que tout le monde lui connaît. Alors il est venu avec l'album 13e apôtre. Et la chanson c'était Selfie. Cette chanson a récolté 10 901 439 vues dans le YouTube. Vous pouvez vérifier. La chanson c'est Selfie avec les cris Écotité. Alors, je vous invite à suivre Selfie Écotité qui signifie pour ceux qui ne le savent pas que ça n'a pas entré. Donc, ça n'a pas accédé. C'est à Lingala pour ceux qui ne parlent pas le Lingala. Je vous laisse suivre. Et Écotité, Selfie, cette chanson, c'est générique, a connu du succès, chers amis. C'était en 2015, le 13 octobre 2015, que cet album est à Paris. Alors, suivons Koffi Olomide dans Écotité, Selfie, et on se retrouve juste après. Magnata. Voilà, nous continuons cette émission, chers amis. C'est l'émission Magnata. Après Koffi Olomide, avec son album 13e apôtre, avec la chanson Selfie qui a récolté du succès, nous allons parler maintenant de Jean-Bédel Tituka, Jibé Mpiana. Jibé Mpiana est né le 2 juin 1967 à Kananga. Donc, avec l'album TH, Toujours Humble, et le générique TH,
JBP en a récolté du succès. C'était le 4 juin 2000. Chers amis, en 2000, l'album TH, la chanson TH, a fait en sorte que Wenge Musica, Bon Chic Bonja, BCBG, puisse connaître du succès. Et cet album avait quelques bons titres comme Walaï Daniko et Éducation. Ce sont des chansons qui avaient fait du succès, qui avaient rapporté un plus dans la carrière musicale de JBM Piana Chituka, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Alors nous allons suivre TH pour votre bonheur, chers amis. Je profite pour saluer Holmes Tandé, Timolotovix, mon ami à Texas. Je salue Boss Achomea de la télévision Boss TV Live et sa femme Lisa. Je n'oublie pas les bergers Tati Moussi et sa femme Lisa. Alors de Waterloo, sans oublier aussi Jacques Cataille de l'émission Cantique des Cantiques. Alors chers amis, suivons TH de JBM Piana Chituka, Paris le 4 juin 2000 et on se retrouve juste après. Maniata, vous êtes en train de suivre l'émission Maniata, système Yado Daye. Donc c'est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise d'abord, de la République démocratique du Congo, africaine et internationale. Cette émission vous est présentée par moi-même, Marcel Bangali, votre humble serviteur, votre présentateur de cette émission dans la chaîne de télévision Tout Savoir TV. En tout cas, et l'Ogolo Bizate, tout ça dans le système Maniata. Hein? Maniata. Donc, bon Bessarango, Nazoro Kumi Sanzambe, parce que Boponi Chena Pierre Otala, mes chers amis, Botala Rabiso, Bokabola, Sangoya Page Nabiso, Sangoya TV Nabiso partout. Tout ça dans les États-Unis d'Amérique, tout ça pour vous servir, Bino. Donc, nous allons parler en lingala et parler en français pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous sommes en train de faire, les buts de cette émission. Après TH de JBM Piana Chituka, Jean Bedel Piana, qui est né le 2 juin 1967 à Kananga, dans le Kasai, nous allons maintenant parler de Fally Ipupa Nsimba. Fally Ipupa, c'est son nom de scène. C'est Fally Ipupa Nsimba. Il est né le 14 décembre 1977 pour les Français, 1977 pour les Belges. Il est né à Kinshasa. Na pesiba kinwa tumbote ngana wa bino ngana za oyoyo mo pandisango ya bino bo soutenir nga banakin atuka na respect na bino parce que bino batira bino te invité na kin ba kosa rater et le ba les boula. Les années, le bande de salade mission de Tika Rofinga, les années Tina Morote, convaincre des publics, dans les labino trop, moi Marcel Bangali, Banakin, Nana Posa soutient la bino, bino so bon dimi, moutou c'est fini, Andimami partout, qui n'est la base, Maniata, Niata, ba place surtout Wazali, Oniata, ba mou Banakin. Donc, tout le monde a dit que F victime, il a fallu pour pas. Fally Ipupa, Aza, Moutou, Aza, qui tambou sa musique à Congo partout. Fally fait le bonheur de la musique congolaise partout. Fally a joué presque deux grandes salles, salles mythiques de Paris, c'est-à-dire Zénith. Il a fait les Zénith et il a joué dans beaucoup de salles mythiques africaines, en Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, Zambie, Kenya et consorts. Je salue Fally Ipupa là où il est. Nous allons suivre d'abord le titre F Victime, Paris le 10 mars 2015. Et à l'heure actuelle, ce titre a récolté 3 754 969 vues. Ça, c'est la mise à jour, la dernière mise à jour pour YouTube. Suivons F Victime de Fally Ipupa et on se retrouve juste après. Eh, hey, Indie!
Ça casse ou ça passe. Maniata. Maniata est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise d'abord, africaine et internationale. Elle vous sera présentée par Marcel Bangali. À la réalisation, Patrick Kamanda. Ça casse ou ça passe. TSTV. Avril 2016, 14 avril 2017, une année déjà que votre chaîne existe. Jacques Kataï dans l'émission Cantique des Cantiques. Bouandi dans l'émission 5e génération. Patrick Kamanda à la réalisation. Et il y est, ça passe ou ça casse. Maniata, système ya Dodaye. Contactez l'équipe Tout Savoir pour vos contributions et contacts. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. Nous continuons l'émission Maniata, système ya Maniata, Nyata, Dodaye. Après Fally Ipupa, Fally Simba, qui est né le 14 décembre 1977, nous avons maintenant Ferré Gola. Ferré Gola, c'est son nom de scène, mais son vrai nom, c'est Hervé Gola Bataringue. Hervé Gola Bataringue est né le 3 mars 1976 à Kinshasa. Et Fally et Ferré sont des Kinois de naissance. Donc ils sont nés à Kinshasa dans la capitale. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Kinshasa c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Je salue tous les Kinois qui vont nous suivre. Nous sommes vos frères et nous vivons ici aux États-Unis d'Amérique. Nous allons suivre maintenant Seben. Seben c'est le générique que Ferré Gola a fait sortir en 2015. Et cette chanson, ce titre a rapporté 2 117 000 vues dans le YouTube à l'heure actuelle. Ça, c'est la dernière mise à jour.
Alors, je vais vous laisser suivre Seben. Seben a fait aussi du succès. Seben a apporté aussi un plus dans la carrière de Ferregola. C'est un générique, c'est un single qui a reconnu, qui a fait du succès en 2015. Seben, c'était ça le titre. Alors, suivons Seben de Ferregola. Je rappelle, Ferregola est né le 3 mars 1976. Fally Ipupa est né le 14 décembre 1977. Donc, une année d'écart entre Ferré et Fally. Donc, Ferré est l'aîné de Fally Ipupa. Ferré est né en 1976. Une année après, Fally a vu aussi les jours. Fally était né. Alors, suivons Seben, on se retrouve juste après. Yabela moto Ukita samadongo basani kasabilo samundel Ukita samadongo basani Maniata. Chers amis, nous continuons cette émission Maniata. En tout cas, ça me rappelle, ce balançoire me rappelle mon enfance. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis, et c'est l'émission Maniata. Maniata, c'est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise d'abord, ensuite africaine et internationale. Nous allons faire la chronique de tout ce qui a rapporté du succès à nos artistes, ce qui a fait en sorte que nos artistes puissent aujourd'hui être connus à travers le monde. Et c'est grâce à leur chanson, ça nous procure du plaisir, ça nous procure du bonheur, que du bonheur. Après Ferré Gola, son vrai nom Hervé Gola Bataringue, nous allons maintenant parler de Didier Clinton Kalonji. Bill Clinton. Tchangou Koulibende, c'est ça son l'un des noms de scène de Bill Clinton. Bill Clinton, c'est un animateur. Il était dans le groupe Wenge Musique à Maison Mère. Ils ont créé les Marquis après la dislocation. Alors, septième leçon, c'est ça que vous allez suivre maintenant avec Bill Clinton. Et nous allons mettre fin à cette émission avec cette chanson, ce titre, ce générique. Septième leçon, Bill Clinton est né le 7 juillet 1979, 1979 pour les Belges. Bill Clinton aujourd'hui a son propre groupe, les Samouraïs de Bill Clinton. Bill Clinton est à Kinshasa actuellement. Bill Clinton est né le 7 juillet 1979, donc 1979. Chers amis, c'est l'émission Maniata. Maniata, partout où vous serez. Maniata, Boniata Bango, Bododa Bango, parce que Bisso, Tozo Niata déjà. Maniata, Maniata, c'est la nouvelle émission de la chronique musicale dans votre chaîne de télévision Tout Savoir TV. Et nous allons faire l'apologie de tous les musiciens que vous connaissez. Nous allons parler de leur vie, nous allons parler de leurs albums et surtout, nous allons commenter ce qui n'a pas réussi, ce qui a réussi. Voilà le but de cette émission, chers amis. En tout cas, faites-nous confiance. C'est l'équipe Tout Savoir. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, comme vous le savez, quelque part dans l'état d'Iowa, parce que les États-Unis ont 50 États. Alors nous sommes dans l'état d'Iowa. Je salue le pasteur J.P. Mbikai qui va nous suivre dans l'état de Texas, dans la ville de Dallas. J.P. Mbikai et Maman Yvonne, c'est un pasteur de la Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK. Je salue Alain Mbumba. Je salue Gabriel Okitayula, les nouveaux riches de la ville d'Iowa City. Je salue Trésor Litengu. Voilà. Je salue tous ceux qui me connaissent. Je salue Deden Tiama, mon ami. Je salue John Kamate. Je salue Charles Onge. Je salue Dido. Je salue Yannick Fumukani. Ce sont mes amis. Je n'oublie pas aussi Jaguar, Yannick Kibonge. Hein? Yannick Kibonge contrôlé dans Iowa City. Yoza Mutunanga, na Pesimbote, na West Petit, na Zozelayo,
West pour une émission parce que tu es un artiste. Alors, Yakala Maniata, alors toi, Kabwana, avec la chanson 7e leçon de Bill Clinton, et on se retrouve juste après. Yabela, moto, Wukita Samado, Ngobasani, Kasabilo, Samundel, Wukita Samado, Ngobasani. Maniata! En tout cas, si vous avez aimé cette première édition de l'émission Maniata, merci beaucoup. C'était votre serviteur, Marcel Bangali, qui était à la présentation, à la réalisation. C'était l'équipe Tout Savoir. Je salue Jacques Kataï, qui est mon ami personnel, qui est mon frère, animateur de l'émission Cantique des Cantiques. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro pour des prochaines révélations. Soyez toujours branchés. Bon lobe la chaîne Nabiso. Bon partage à la vidéo, tout ça là. Bon aimer, bon commenter. Bon pensez sur la suggestion Nabino. Bon bengaka. Tout ça pour l'anniversaire Nabiso le 14 avril 2017. Oyo. Tout ça l'oukabatou va sponsoriser en haut. Si vous êtes sponsor, en tout cas n'oubliez pas de nous contacter. Si vous voulez passer un message, n'oubliez pas. Et puis soutenez-nous, appelez-nous, contribuez. Pour notre anniversaire, pour votre respect, chers amis, pour votre respect, chers téléspectateurs, j'enlève ces glaces. Je vous remercie énormément. C'était Marcel Bangali qui était à la présentation. Appelez-nous, faites-nous parvenir vos conseils, vos suggestions, vos remarques. Momoninde Nini pour la première édition Oyo. Benganga, P, Yebisangai, Bikanisinayo. Hey, India! Ça casse ou ça passe? Yabela, moto. Maniata! Yabela! Maniata est une nouvelle émission de la chronique musicale congolaise d'abord, africaine et internationale. Elle vous sera présentée par Marcel Bangali. À la réalisation, Patrick Kamanda. Ça casse ou ça passe. TSTV. Avril 2017, une année déjà que votre chaîne existe. Jacques Kataï dans l'émission Cantique des Cantiques. Ibwandi dans l'émission 5e génération. Patrick Kamanda à la réalisation. Et il y est. Ça passe ou ça casse.
Maniata, système ya Dodaye. Contactez l'équipe Tout Savoir pour vos contributions et contacts. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. Maniata!